T'es rentrée? Ouais, je suis là. Oh non. Alors cette fois, ça y est? Ça va, commence pas. Mais c'est trop triste. Arrête, Marnie, on va se voir tous les jours à l'école et les week-ends pour les réunions. Je sais. Mais il y aura plus de soirée pizza le vendredi soir. Il y aura plus de glace en pleine nuit et je pourrai plus pisser pendant que tu prends ta douche. Tu pourras venir chez Franck si tu veux pisser quand je me douche, tu seras la bienvenue. C'est pas pareil et tu le sais très bien. Tu veux ce t-shirt? Ouais, cool. Tu veux pas aller me chercher les Emily Dickinson? Si, bien sûr. Merci. Léonore, t'es vraiment sûre de ce que tu fais? T'es pratiquement arrivée à la fin de ton semestre. Et t'auras tout gâché si tu reviens pas. Je vais finir ma thèse avant qu'il arrive, t'inquiète pas. Te fais pas de soucis. Ça va bien se passer. Et Franck, dans tout ça, tu crois que tu peux compter sur lui? Parce que moi, je suis pas sûre qu'il soit capable d'assurer. Et moi, j'en suis absolument sûre. Ça va être super. Il pourrait même te surprendre. Écoute, je sais que ça peut paraître bizarre, mais... c'est le choix que j'ai fait.
Je serai toujours là pour toi, en tout cas. Et si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là, t'entends? Oui, je sais. Wow, d'accord. Hé, hey, ça va maintenant? Faut que je vous sépare ou quoi? Ceci dit, si vous voulez aller plus loin dans l'expression physique de vos sentiments, je peux attendre à côté. T'arrives trop tard parce qu'on vient de baiser comme des folles. Ça a été torride. Oh. Salut. Salut, Chris. Tu veux me donner un coup de main? Prends-moi ça. Et en avant. Chérie? Chérie? Mon amour. Ça va, ma petite puce? Arrête. Alors, t'as vu? Qu'est-ce que t'en dis? C'est merveilleux. Tu aimes? Ouais. Tu sais, j'ai une idée. C'est quoi? Et toi, tu me dis si c'est ringard ou pas. Ok. Je voudrais mettre une citation au-dessus de son lit, tu vois? Un petit mot poétique de Dickens. Bon, eh bien, j'écoute. Ok, j'y vais. Chaque enfant né dans ce monde est plus joli que le précédent. Sacré Dickens. Ça incite pas à faire des petits frères, mais c'est comme tu veux. Petits frères? Attends déjà que j'y suis là. Ok. J'espère que Chris va se faire à tout ça. Il n'y aura pas de problème. Il a failli mourir avec papa et maman, il a besoin d'un peu de temps maintenant. Ça a été une année très dure pour lui. Tu sais que mes parents étaient fous de toi. Je les aimais bien. J'ai presque fini, là, tu vois. Ça y est. C'est génial. Ça te va? Je peux aller sous ta douche? Bien sûr, vas-y. Mais c'est notre douche à tous les deux, maintenant. Ah, je t'adore. Moi aussi, je t'aime. Vas-y. Dis, chérie, tu te rappelles la première fois qu'on s'est rencontrés? Oui. Chaque
secondes. T'as dû passer devant ma table 5 fois, si j'ai bien compté. C'est vrai. Et ensuite, combien de fois je t'ai cherché à Lancaster Hall? T'avais toutes les filles après toi. Il faut dire que t'étais l'architecte vedette. Et c'est là que... Ça va aller, ça va aller. Vous devez attendre ici. Je peux pas rester avec elle ? Non, pas pour l'instant, Frank. Il y a un problème ? En fait, il semblerait que le fœtus ait eu un regain de croissance depuis la dernière visite. Il y a quelque chose d'anormal ? Non. Lors des précédents ultrasons, tout avait l'air d'aller bien. D'accord. Mais depuis le dernier examen, la taille du bébé a doublé. On est quand même au 6e mois. Oui, oui, je sais. Et je ne comprends pas ce qui se passe, mais le corps de Léonore nous envoie un message très clair. Le bébé a envie de sortir. D'accord. Et malheureusement, je crains que ça ne soit pas facile, Frank. Alors nous préparons Léonore en vue d'une césarienne. Vous croyez que ça va aller ? Tout va très bien se passer. Vous savez... Rassurez-vous. Okay. Il n'y a pas de souci. Merci. Ça va aller. Sentez-vous? Très faible. C'est normal, c'est le médicament que je vous ai donné pour stopper les contractions. N'ayez aucune inquiétude, ça a seulement pour but de vous relaxer. Léonore, l'anesthésiste va s'occuper de vous et on commencera le compte à rebours, d'accord? Ok. Je vais vous faire une intraveineuse. Vous allez vous sentir un peu ankylosée. Vous devez commencer à vous sentir flotter. On va démarrer le compte à rebours. 10, 9, 8, 7. Tout va bien se passer. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il n'y a absolument rien d'anormal, Léonore. Quelque chose qui n'est pas normal. 5, 4, 3. Arrêtez. 2. Stop. Non. Scalpel. Sortir ce bébé. Le voilà. Il est énorme. Ouais, énorme. Il a l'air très bien. Clan. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce qui se passe ?
chérie. Ça va bien? Oui. T'es sûre que ça va? Oui, mon bébé. Oh, Léonore, regarde ça. Tout est normal. On doit ramener votre femme en chirurgie, mais le bébé va très bien. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Le bébé va bien. Il faut juste qu'on fasse sa toilette, monsieur. Donnez-moi mon bébé. Oh, tu l'as mon vu. Mon bébé. Comment tu te sens? Ça va aller, chérie. Tout va bien pour elle. Merci. Je peux venir? Restez ici. Oh. Personne n'a vu qui que ce soit entrer ici ou en sortir. On cherche les vidéos de surveillance. Tout a l'air normal. C'est pas exactement ce que moi j'appelle normal. Je me suis réveillée ici. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'inhabituel, comme quelqu'un qui n'aurait pas dû se trouver là? Vous savez, elle était complètement dans les vapes, sergent. Je pense pas qu'elle puisse vous aider. Maintenant, je vais ramener mon bébé chez moi. Pas de problème. Mais d'ici quelques jours, je vous demanderai de rencontrer un psychologue qui travaille pour notre service. Voir un psychologue? Pourquoi? Il obtient souvent des témoins qu'ils se souviennent de ce qui s'est passé lors d'un crime. Ce serait bien que vous le rencontriez, si ça vous ennuie pas. Les habitants de Larkspur sont en état de choc depuis les événements qui se sont produits à l'hôpital du comté. Deux médecins et deux infirmières ont été tués avec une grande brutalité dans la salle d'opération, alors qu'ils pratiquaient une césarienne. Bien que la police soit très discrète sur le sujet, nos reporters ont compris que les inspecteurs étaient bien en peine de trouver un mobile à ce crime. Aucun suspect n'a encore été identifié. Hey, salut. Viens voir ton neveu, frérot. Il s'appelle Daniel. Salut. Qu'est-ce que t'en dis? Il a l'air de fonctionner. Il est génial. Beau gosse. Le très alors, beau gosse. Il est pas super. Si. Salut, Dani. T'es très beau. Léonore Harker. Une vingtaine d'années. Famille de militaires. Ses parents se sont installés à l'étranger, mais elle, elle est restée. Elle fait une thèse. Sur les poètes français du 19e siècle. Elle ne se souvient de rien. Elle semble traumatisée par tout ça. Aucun souvenir. Je lui ai dit que vous alliez venir la voir. Le plus tôt sera le mieux. De basketball près du garage et puis on ira pêcher dans le lac tous les deux. On fera du VTT, mais tu le dis pas à ta mère. Coucou. Salut. Alors on discute avec papa? Ah oui, on a plein de projets. Tu
sais que c'est ton papa. Il est langé beaucoup trop serré. Non, il est bien. Non, il est trop serré. Dans tous les bouquins, ils disent qu'il faut qu'il soit bien à l'aise. Non, je te dis que ça va. Franck. Merde. Il m'a griffé. Oh, regarde. Waouh. On va te couper les ongles, hein, chérie. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Oh, j'ai le pauvre chéri. Allez, viens. Viens. Viens voir ta maman. Allez. Oh, tiens. Mon chéri. Tu dois avoir faim, je suis sûre. Tu vas voir ce que fait Chris pendant que je le nourris. Ouais. Je t'adore. Oh, ça c'est un mec. C'est un petit mec à faim. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a faim, ce petit gars? Chérie, t'es restée ici toute la nuit? Franck, ton fils est absolument stupéfiant. Évidemment, c'est un Davis. Non, tu comprends pas ce que je veux dire. Il s'est retourné tout seul. Il n'est pas censé pouvoir faire ça avant 4 mois. Il tient déjà sa tête, il a une force, c'est fou. Il est spécial, c'est un bébé vraiment spécial. Il est costaud, ce petit monstre. Chérie, je crois qu'on a de la compagnie dans la salle de bain. Tu vois ce que je veux dire? Il va falloir que je mette des pièges. Je vais appeler le service d'hygiène. Non, laisse, je me débrouille. Je veux pas de poison, parce qu'après les bestioles meurent et ça pue. C'est pour ça qu'il faut que je trouve les pièges. Mais ils sont où, ces putains de pièges? Oh, c'est pas possible. Il devrait être là. Franck, t'as l'intention d'aller au bureau aujourd'hui? Oui, normalement. Mais t'as peut-être raison, je ferais sans doute mieux de rester ici avec vous, tranquille. Ça va aller, Franck. T'as pas besoin d'être avec moi à chaque instant. Je me sens déjà beaucoup mieux.
Allez-y, je reviens. Barney, tu vas te geler à rester là. C'est pas son genre, tu sais, c'est pas son genre. C'est pas ton genre non plus de te prendre la tête comme ça. T'en fais pas, tout va bien. Pendant 5 ans, elle m'a donné des nouvelles tous les jours et puis là, plus rien. Chut, arrête de flipper, tout va bien. Y'a rien, t'entends? Tu crois? Ouais. J'arrive les mecs! Allez les gars, on y va! Ça y est, c'est bon, on a le béton. Dépêche-toi, Dan! Vous avez vu l'air, les mecs? Allez, on se magne! Attends, vous avez 6 heures pour couler les fondations, alors va vite garer le camion là-bas! Et surtout, perdez pas de temps! Allez-y, je vous rejoins. T'as un problème? Excuse-moi, je cherchais pas du tout à te faire peur. Pourquoi veux-tu que j'ai un problème? T'es pas au courant? Il y a un tueur qui rôde dans le coin. Les profs interdisent à tout le monde de sortir du collège depuis ce matin. Dans ce cas, toi aussi, tu vas avoir des problèmes. Ouais, si je me fais choper. Je m'appelle Nicole, bonjour. Je suis arrivée cette semaine. Je m'appelle Chris. Chris Davis? Ouais, pourquoi? T'es déjà célèbre. C'est ton neveu qui est né pendant qu'il y a eu les meurtres. Au fait, est-ce que t'es allé le voir à l'hôpital? Non, non. Faut que j'y aille. Hey ! Tu lâches cette souris ! Tu vas la laisser? Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait peur. Tu vois bien qu'il dort. Essaie de ne pas le réveiller. D'accord, excuse-moi. Mange pas trop. Bonjour, monsieur Davis. Désolé de vous déranger. Sergent Perkins. Ça fait plusieurs jours que j'essaie de prendre contact avec vous, Léonore. J'imagine que vous êtes très occupé. Oui. Oui, en effet. Pourtant, il faudrait que Léonore trouve le temps de venir voir le psychologue dont je vous ai parlé. Si ça vous ennuie pas. Quoi? Tout de suite? On vient juste de se lever. Je suis vraiment désolé. Mais nous devons avoir cet entretien pendant que ces événements sont encore frais dans votre mémoire. Nous n'avons encore aucune piste pour l'instant, voyez-vous. Il est vital que nous puissions faire ça tout de suite. Bon, eh bien, si c'est si important, peut-être que...
On ne peut pas emmener un nouveau-né au poste, sergent. J'ai avec moi l'officier Marcos qui veillera sur le bébé en votre absence. Si vous voulez bien me suivre. Salut Marnie, j'ai votre courrier. Merci. Il y a une lettre de Léonore. Vous souvenez-vous de quelque chose qui se serait passé au moment où vous êtes allé en salle de travail? Je me rappelle que le docteur a dit que tout serait terminé en quelques minutes et l'infirmière m'a fait une intraveineuse. Ensuite, j'ai perdu conscience et je me suis réveillée dans ma chambre. D'accord. Vous pouvez me parler des autres membres du personnel soignant? Rien de particulier? Il y avait... une infirmière qui était très jolie. Ça se voyait, même avec son masque. Bon, d'accord. Parlez-moi des sons que vous entendiez. Vous souvenez-vous de ce que les gens disaient autour de vous? J'ai entendu... il y a quelque chose qui n'est pas normal. Tout va bien se passer. Il n'y a absolument rien d'anormal, Léonore. Scalpel. Arrêtez. Stop. Désolée. Je crois que... Non, mais ça suffit pour aujourd'hui. Je vous ai raconté tout ce qui me revenait. Léonore, je vous en prie, on y est presque. Continuez. Non, je suis désolée. Mais il faut que j'y aille, là. Merci à vous. Et bonne journée. Daniel ? Daniel ? Daniel ! Ah ! Non ! Je ne veux plus jamais ! Jamais, tu entends ? Je ne veux plus jamais que tu fasses des choses pareilles ! Salut, c'est encore moi. Ça va? J'ai aucune nouvelle de toi. Et je dois dire que je commence à m'inquiéter. Il y a je sais plus qui m'a dit que t'avais eu aucun contact avec tes professeurs depuis la naissance du bébé. Qu'est-ce qui se passe, Léonore? Je te signale que je viens de recevoir une lettre du doyen qui menace tout simplement d'annuler ta soutenance de thèse. Il se passe exactement ce que je redoutais. T'es en train de perdre ton semestre. Si t'as besoin d'aide... Tu sais que je suis là. Je t'en prie, appelle-moi. Je t'aime. Salut.
encore, mes petits anges. Ça va? Salut. Tu sais, chérie, j'ai réfléchi. Maintenant qu'on a Daniel, on devrait peut-être essayer de lui trouver quelqu'un qui... C'est un peu compliqué pour l'instant. On pourrait au moins en parler. C'est vrai, j'aimerais bien qu'on aille dîner dehors, alors pourquoi pas, ce soir. Ce serait l'occasion de t'habiller, comme avant. Oui, mais il y a le bébé. On n'a qu'à le faire garder. Ok. Ok. Super. Super, on va s'amuser, je te le promets. Tu vas voir. Je suis sous la douche. Bonjour. Je suis vraiment désolée de vous déranger, Léonore, mais il faut absolument que je vous parle. Écoutez, je vous ai dit tout ce que je savais, je vous jure. Je vous en prie. Ça ne sera pas long. Ok, je vous donne 5 minutes. Vous avez trouvé stressé l'autre jour. C'est vrai, je viens d'avoir un bébé. Je suis plus émotive. Je suis spécialisée dans le traitement des témoins d'événements traumatisants. Je connais les symptômes. Vous vous souvenez de quelque chose? Je crois que vous ne m'avez pas écoutée. Je voudrais que vous acceptiez de vous faire hypnotiser. C'est absolument exclu. Je pense que ça vous aidera. Je n'ai pas besoin d'aide, monsieur. Je vous dis que je vais très bien. C'est une chose dont je suis absolument certaine. Vous n'avez pas l'air bien. Bon, je vous raccompagne. Au revoir.
mon anniversaire ou quoi? Ça te plaît? C'est stupéfiant. Je me suis dit comme ça qu'on pourrait se faire un vrai repas avec des vraies serviettes et pas des trucs en papier. Le bébé est endormi, alors je vais pouvoir m'occuper de l'autre homme de ma vie. Ça te plaît? C'est stupéfiant. Ouais. Voilà. C'est prêt, allons-y. Vous êtes au cabinet du docteur Baldwin, merci de laisser votre message après le bip. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oui, j'écoute. Jenny, j'ai pas pu joindre le docteur Baldwin de toute la matinée. Il avait rendez-vous avec le capitaine aujourd'hui, mais il n'est pas venu. Est-ce qu'il a appelé? Non, pas de nouvelles. Bon, rendez-moi un service. Appelez son cabinet, qu'il regarde son agenda et vous dise quels étaient ses derniers rendez-vous. Puis rappelez-moi dès que vous avez une minute. Comptez sur moi. Ma chérie, c'était super. Vraiment. Tant mieux. J'ai encore des devoirs à faire. Je peux sortir de table? Oui, vas-y. Tu nous appelles si tu as besoin d'aide. Non, je crois que je vais me débrouiller. Merci. Ok. Salut. Je suis désolée d'avoir été aussi... Laisse tomber. On a eu 2 semaines difficiles, mais il paraît que c'est toujours comme ça avec le premier. Non? Oui, c'est ce qu'on dit. Je vais aller dire bonne nuit à notre Danny. Incroyable. Quoi? Comment un petit être aussi merveilleux a-t-il bien pu venir de nous? On a beaucoup de chance. Tu trouves pas qu'il a vraiment l'air d'un ange? Comme s'il venait d'un autre monde. Oui, c'est ça. On est à l'heure? Oui. T'es sûr? On est bon. Attends ici, je veux d'abord lui parler seul à seul. Ouais, ok, mais va pas discuter durant des heures pendant que je me les gèle dans la voiture. Léonard? Léo?
connard, c'est toi. Tu m'as fait une peur bleue. Qu'est-ce que tu fais à fouiner par ici? Eh, mais j'étais pas en train de fouiner. J'ai appelé, personne répondait, la porte était ouverte. Je me suis dit que tu devais être là et j'ai juste essayé de te trouver. Bon, eh ben, je suis là et j'ai un bébé, je suis très occupée, voilà. Ça fait des semaines que j'ai aucune nouvelle de toi. À part la facture de l'hôpital, rien. T'as besoin de quelque chose? Chut. Qu'est-ce que je peux faire? Allons plutôt dans la cuisine, il faut le laisser dormir. Alors, c'est un petit mec? Oui. Je peux le voir? Chut, pour l'instant, il dort. Viens dans la cuisine si tu veux qu'on parle. Ok. Vous répondez jamais quand j'appelle. J'en sais rien, moi. Je crois que la maternité, c'est un truc qui... Et il faut du temps pour s'adapter. Et tu sais qu'il y a un moment où il faudra bien que tu reprennes les cours. Sinon, c'est toutes tes études qui seront compromises. Je vois pas comment je pourrais reprendre les cours, Marnie. Pas maintenant, en tout cas. Je le savais. Je le savais. Dès l'instant où tu as décidé que tu garderais ce bébé, c'était plié, t'avais annoncé. J'ai des responsabilités. Mais tu as aussi une responsabilité envers toi-même. Et c'est justement pour ça que tu voulais terminer ta thèse d'abord, tu te rappelles pas? C'est pour cette raison. Mais pourquoi tu me ressors cette histoire? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème ou quoi? Léonore, je suis vraiment désolée, ok? Bon, d'accord, j'aurais peut-être pas dû remettre ça sur le tapis. Est-ce que tu t'es vue, Léonore? T'es dans un état... C'est j'ai mon bébé maintenant. Et il est tout pour moi. Non. T'es capable de faire des grandes choses. Mais je fais de grandes choses. J'élève mon enfant. Tu comprends rien. Je comprends très bien. Je comprends très bien que t'es en train de foutre ta vie en l'air. Bon, bah très bien, d'accord. Si tu veux, après tout, c'est ma vie. Il n'y a aucune place dans cette vie pour quelqu'un qui est incapable de comprendre ça, ok? Léonore! Quoi? Mais c'est pas vrai, ça! C'est pas vrai! Je te remercie d'avoir pris de mes nouvelles, mais tout va bien, tu vois. Au revoir, Marnie. Tu sais, t'es pas la première femme sur Terre à avoir un bébé. Salut. Et moi, je suis très bien comme ça. Harry! Harry! Harry, tu viens? Je veux partir, Harry! Mais où t'es? Oh, mais arrête un peu tes conneries, merde! Oh mon Dieu!
absolument rien d'anormal. Tout va bien se passer. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tout va bien? Chérie. Hey, je suis là, tout va bien. J'en peux plus. Ça va aller. Allez, dis-moi ce qu'il y a. Ça va aller. Je savais pas ce que je faisais. Quand? Quand j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai essayé de... J'avais peur de perdre tout le fruit de mon travail à la fac. C'était trop dur, j'étais terrifiée. Ok, calme-toi. Je voulais pas. Avec Marnie, on a trouvé un site internet où ils vendaient des pilules pour. T'as trouvé quelque chose? Tiens, viens voir ça. C'est bon, je crois que ça va le faire. Il suffit de leur écrire pour commander. Ou alors, si tu veux, tu les appelles demain matin. Et ensuite, t'as plus qu'à avaler tes 6 comprimés. Essaye. C'est un truc qui déclenche une fausse couche. Vas-y, ma petite sœur, c'est pour ton bien. Tu auras à nouveau toute ta vie devant toi, toute ta vie. Ça m'a rendu malade. J'ai cru que j'allais mourir. De l'avoir fait, je me suis dit, Seigneur, par pitié, sauvez mon bébé. Mon Dieu, sauvez mon bébé, je vous en prie, laissez-le vivre. Arrête, chérie, calme-toi, je suis là, je suis là. Je vous en prie, laissez-le vivre. Je me suis sentie mieux. Tout allait bien, le bébé était vivant. C'était un miracle. Tout ce que j'espère, c'est qu'il est normal. T'inquiète pas, il est parfait. Oh, je t'aime. Si tu savais comme je t'aime. Sergent Perkins, vous me recevez? Perkins. Sergent, j'ai une information concernant le docteur Baldwin. Super, qu'est-ce que c'est? Le dernier rendez-vous de son emploi du temps avant-hier a eu lieu à son bureau. Ensuite, personne ne l'a plus revu. Je vois pas en quoi ça peut nous aider. Attendez, sergent. Il y a une note en bas de son agenda qui dit qu'ensuite il a dû aller chez Leonore Harker. Ah, ça, c'est intéressant. Merci, Jenny. Dites à l'officier Marcos que je passe la prendre à 5 heures. Entendu. Absolument rien d'anormal. Quelque chose qui va bien se passer. Absolument rien d'anormal, Léonore. Vous devez commencer à vous sentir flotter. Tu vas le faire sortir, allez. On va démarrer. Arrêtez. Tu vas le faire sortir, allez. Absolument rien d'anormal. Arrêtez! Oh mon Dieu, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, il
est là. Maman est là, calme-toi. J'ai pas besoin d'une babysitter. C'est pas pour toi, c'est pour Daniel. Tu veux rester à la maison pour le garder? Non, je préfère pas. T'as raison, prends une babysitter. Y'a quelque chose qui te pose un problème? C'est Daniel. Franck, je sais que c'est ton bébé et que tu l'aimes, mais... moi, il me fait peur, il me terrifie. Mais arrête! C'est un bébé. Ouais. Ben moi, j'en suis pas si sûr. Léonore ? Va dans ta chambre, Chris. Pourquoi t'es pas habillée? Tu te souviens pas qu'on dîne dehors? Oh, j'ai complètement oublié. Où est-il, Léonore? Où est le bébé? Il doit être dans son lit. Où est Daniel? Où est-il, Léonore? Chérie, où est Daniel? Il a de plus en plus faim. Écoute, tu restes ici, d'accord? C'est compris, tu ne bouges pas. Je suis désolée. Mais chérie, j'arrive pas à le faire dormir. J'arrive pas à le faire dormir. Franck ! C'est qu'un fusible qui a sauté. Reste dans ta chambre. Daniel.
sergent Perkins. Je vais faire un tour derrière, voir si je les trouve. Attendez-moi ici. Vous voulez que j'appelle des renforts? Je vais d'abord jeter un petit coup d'œil. Ok. Reste où tu es, petit. Et surtout, tu bouges pas. C'est pas vrai. Putain de merde, mais qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui vas me le dire, Franck. Il faut que vous m'aidiez à le trouver. Ne bouge pas. Franck. Qu'est-ce qui se passe? Police! Y a quelqu'un? C'est pas moi qui les ai tués. Oui, bien sûr. Tu vas te coucher sur le sol tout doucement. Et tu mets tes mains derrière la tête. Allez, mon garçon, tu te couches gentiment. Sans faire d'histoire. Je vous jure qu'il faut me croire. Te tiens bien tranquille, Franck. Tu ne bouges pas. Daniel.
Daniel est un putain de bébé, Franck. De la maison. Mais... Sors tout de suite! Tout va bien, Lani. Bien. Viens là, mon chéri. Viens, mon chéri. Viens voir papa. Viens. N'aie pas peur. T'as rien à craindre. Viens jouer avec moi. Faire un petit tour.
désolée. Je suis vraiment désolée. Oh, mon chéri. Je t'aime tellement fort. Oh, Franck, je t'aime. Si tu savais comme je t'aime, Franck. Daniel, viens voir maman. Daniel, viens voir maman. Léonore. Daniel, viens voir maman. Viens, mon bébé. Viens, viens là. Viens, mon bébé, viens voir maman. Allez. Viens, mon bébé. Daniel. Viens là. Viens voir maman. Daniel.